Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de comment fabriquer un savon à base de curcuma. Donc tout d'abord, nous avons besoin d'un peu de lait. Du lait pas trop concentré, du lait léger, voilà, c'est ça qu'on a besoin. De la poudre de curcuma, d'un peu de jus de citron, du savon Lab White à base de glutathione, de kojic d'acide et de vitamine B3. Aussi, du savon Doudou Hosson. Reconnaissons que le savon Doudou Hosson est très bon pour la peau sèche et les peaux remplies d'acné, les peaux avec des taches, tout ça. Ça élimine tout ça. Et aussi, le savon Gluta Gold, qui est très bon aussi pour l'hydratation de la peau. Donc je vais mettre de l'eau dans le curcuma, voilà, bien mélanger pour que ça se mélange, ça donne un mélange bien homogène. Donc j'ai pris tous ces savons là, j'ai mis dans un petit mortier pilé. Et j'ai oublié aussi d'énoncer ce savon, c'est un savon à base de kojic et de tomates, très bon pour la peau, pour ceux qui veulent se blanchir la peau, très très bon pour la peau. En tout cas, je recommande ce savon, c'est très bon. Donc j'ai pilé le savon, ce savon que j'avais mis dans le petit mortier. Je vais mettre le mélange de curcuma, voilà. Aussi, je vais mettre aussi renverser le jus de citron. Après cela, je vais mettre le lait, mais j'ai oublié de filmer quand je mettais le lait, donc excusez-moi. Donc voici comment ça se présente. Je vais ajouter aussi un peu de miel pour rendre le mélange bien homogène et aussi pour le bien-être de notre peau. Donc voilà, je vais mélanger avec ma main, bien mélangé. Si vous voulez, vous pouvez porter des gants. Donc voici comment ça se présente après avoir mélangé bien. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Quand vous avez fini de mélanger comme ça, vous mettez dans votre pot de savon ou un petit truc, une petite cuvette pour laisser reposer pendant 24 heures. Et si vous êtes pressé, vous pouvez mettre dans le frigo, ça durcit en 3 ou 4 je crois. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo.